Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph et vous tous qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où Jésus nous invite à nous laisser habiter par la joie qu'il nous promet. La messe de ce matin est célébrée en particulier pour Madame Rose Chapdelaine, recommandée par la succession. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, confiant que Dieu, bon et miséricordieux, est déjà à l'œuvre au milieu de nous, pour que notre peine se change en joie. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui a donné à ton peuple de participer au mystère pascal, accorde-nous de savoir toujours te rendre grâce pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, ils demeuraient chez eux et y travaillaient, car ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leur injure, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titus Justus qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. La victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là ?»« Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Et puis, je m'en vais auprès du Père. Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous discutez entre vous parce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter. Tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons la parole de Dieu. Dans le contexte de son repas d'adieu, Jésus fait allusion à sa passion et à sa mort imminente, qui sera suivie de sa résurrection. Jésus insiste sur la brièveté de cette tristesse. Le peu de temps, c'est le délai entre sa mort sur la croix, son départ, et son retour, quand il apparaîtra à ses disciples, 3 jours plus tard, à chacune de ces apparitions, la joie des disciples éclatera. Au-delà du sens immédiat du départ et du retour de Jésus, l'évangéliste laisse entrevoir les épreuves et les souffrances que ses disciples auront à supporter dans l'avenir. Et cela vaudra pour chaque membre de l'Église. Encore aujourd'hui, témoigner de sa foi ne va pas toujours de soi. Il arrive que nous ayons à subir l'incompréhension, l'indifférence et même l'hostilité des gens qui nous entourent. Nous pouvons aussi être affligés par la maladie et bien d'autres épreuves et contrariétés de la vie. On n'a qu'à penser aux inondations que plein de gens ont subies tout récemment, les guerres qui continuent, les camps de réfugiés, etc. Vous serez dans la peine, nous dit Jésus, mais votre peine se changera en joie. Cette joie que le ressuscité promet aux siens
est indépendante des changements dans le monde. Ici-bas, tous les moments de joie sont mélangés de soucis ou de craintes. La joie du Seigneur est pure. Elle dissipe tout le passé de souffrance. Il essuiera toute larme de nos yeux, dira Saint Jean dans l'Apocalypse. La souffrance devient pour le chrétien, la chrétienne, source de joie dans la mesure où elle découvre en elle la présence de Jésus. Le Christ n'est pas venu pour nous expliquer la souffrance, il n'est pas venu pour la supprimer, dira Paul Claudel, mais il est venu pour la remplir de sa présence. Dieu nous a créés pour la joie. Mais nous ne pouvons accueillir cette joie parfaite, profonde et définitive sans passer par la purification de la croix. Le frère André disait, « Il y a toujours une réserve de grâce extraordinaire qui attend une épreuve bien supportée. » Il faut le reconnaître. La joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie. Parfois, c'est très dur. La joie s'adapte et se transforme. Elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. C'est cette certitude qui faisait dire au frère André, qui a été malade toute sa vie et a connu bien des épreuves, « Comme le bon Dieu est bon, comme il s'occupe de nous. » L'amour qu'a eu notre Seigneur dans sa passion met en lumière l'amour du bon Dieu pour nous. Celui qui se sait aimé et qui a découvert l'amour du Christ est tellement comblé que son rapport au monde est transformé. La possession des richesses, la revendication de ses droits ou la satisfaction de ses intérêts personnels deviennent secondaires par rapport à la joie que lui procure l'immense amour du Christ qui le comble. « Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. » La présence du Christ est tellement forte à celui ou celle qui lui ouvre sa vie, son cœur, que rien ne pourra l'ébranler. Cette promesse exprime l'attention que manifeste Jésus à l'égard de notre souffrance. Il nous aime et il fait tout pour que nous en voyions les signes. Maintenant, c'est à nous de croire en sa promesse, de nous laisser aimer, d'accueillir en nous sa joie. Et ce que je demande au Seigneur, qu'il nous garde dans sa joie tout au long de ce jour. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, Mère Marie-Léonie, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous le rappelle, Dieu est un Père qui nous aime, un Père qui est présent à nos peines, mais aussi à nos joies. Redisons avec confiance la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que tout au long de cette journée, la joie promise par le Christ vous habite et vous donne beaucoup de paix et de bonheur. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Et bonne journée.